Alors, bébé, sois sage, ok? D'accord. Avant que tu ne le saches, je serai de retour. C'est vrai? Oui, je serai de retour. Assure-toi de bien prendre soin de mon garçon. Hmm? Ton garçon? Mm-hmm. Et qui t'a dit que c'était un garçon? Je sais que c'est un garçon, c'est pas un débat, je sais ce que j'ai mis à l'intérieur. J'ai compris. Sois prudent et surtout, prends bien soin de toi. Entendu, ma chérie. Je suis toujours prudent. C'est pour ça qu'on m'appelle Draco. C'est fait. Tu sais quoi faire. Dieu merci, je suis bien arrivé ici. Mon frère.
Donc, tu es sûr que personne ne t'a suivi? Pourquoi est-ce qu'on me suivra? Je suis un mec vaillant. Tu ne me fais plus confiance. Personne ne peut me suivre. Très bien, tu es très futé. Ouais, t'inquiète. Alors, fais-moi confiance. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir passé du bon temps ensemble, on ira le livrer au patron pour qu'il nous donne notre pourcentage. Comme ça, on ira fêter. Tu sais comment ça se passe. C'est complet, j'espère. Intact, frère. Ne t'inquiète pas. Nous sommes les héros. Après avoir fini ici, on ira livrer au patron. Nous sommes les héros. Et il nous donnera notre pourcentage. Notre beau pourcentage. Hey, tu es la star. Je suis très content ce soir. Nous irons nous amuser cette nuit. Tu comprends? Après avoir livré au patron, et il nous donnera notre pourcentage. Ensuite, nous irons nous amuser. La vie est belle! Je suis le héros! Prends toutes ces choses et dégageons d'ici. Et une chose encore. Le patron ne doit pas être au courant de tout ceci. Est-ce que c'est compris? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais j'ai juré d'être honnête et loyal envers notre patron, mec. Et je ne pense pas qu'il y aura quoi que ce soit sur cette terre qui me fera changer d'avis sur ça. Je pense que là, tu marques un point. Pas de souci, alors. Après toi. Il y a une place vraiment très spéciale pour des bouffons comme toi en enfer. Rien de très sérieux, boss. Récupérer la mallette nous a pris un peu plus de temps. Et dans le processus, désolé, nous avons perdu un homme. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis désolé, mais nous l'avons perdu. Chérie, oui, quand es-tu rentrée? Ça fait un long moment maintenant et je savais que tu te reposais, alors je voulais vraiment pas te déranger. Ah, je voulais te donner un peu de temps pour que tu te reposes. C'est vraiment gentil de ta part. Viens t'asseoir avec moi. Ah,
Doucement. Doucement, doucement. Merci. Doucement. Doucement. Merci. Mais je devais savoir que tu étais rentré. Eh ben, je suis rentré. Et je sais que tu veux toujours me dévorer. Je suis là maintenant. Bien sûr que je veux te dévorer. Tu sais que je te veux toujours auprès de moi. Ouais, je sais, je sais. Tu dois ralentir. Tu ne dois pas parler de me dévorer maintenant. Celui que tu dévores t'a mis dans cette condition. Et tu veux me dévorer encore plus. Digère d'abord celui-là. Tu es ridicule. Avant de dévorer un autre. Qu'est-ce qu'il y a? Doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, le bébé arrive. Ok, d'accord, vas-y, doucement, 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 doucement. Damien! Damien! Amenons ma femme à l'hôpital. Chérie! Ouais, d'accord, va démarrer la voiture. Damien! Ça fait très mal! T'as oublié ton nom. Oh, doucement. Oh, chérie! Docteur. Oui. Comment va ma femme? Vraiment désolé, monsieur. De quoi êtes-vous désolé? Désolé, mais nous l'avons perdue. Vous avez perdu qui?
Je vous pose la question, docteur. Qui est-ce que vous avez perdu? Perdu votre femme, monsieur. Mais le bébé va bien. Tu fais ça. Mon mari t'a fait confiance. Pourquoi lui as-tu tourné le dos? Chut. La ferme, femme. Tu te disputes là avec un homme qui a une arme chargée. J'ai attendu patiemment pour frapper et prendre ma revanche. Et le moment est arrivé. S'il te plaît, ne fais pas ça. Par égard pour mon bébé innocent, je t'en supplie, s'il te plaît. Damien? Non mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu me pointes une arme? Allez, baisse-la rapidement. Est-ce que tu réalises que je tiens une arme dans ma main? Si j'étais toi, je m'assiérais. Damien, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? J'ai toi, dit... genou. Bon garçon, bon garçon. Il était grand temps pour moi de me venger. Alors tu as un choix difficile à faire. Si soit je tire sur ta femme, ou alors je tue ton bébé. Tu ne disposes que de 20 secondes pour te décider. Comment je t'ai-je offensé, Damien? Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal, dis-moi? Ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. Ton temps a été écroulé. Non, non, chérie, non. Non, non. Ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver. C'est bon. Damien, laisse ma femme en dehors de tout ça. Tue-moi. D'accord, tue-moi et épargne ma famille. Tu te crois vraiment très malin. Mais moi, je n'ai pas de choix. Thank you.
Exactement. Oui, officier, exactement. Écoutez, Draco est un trafiquant de drogue très dangereux. Alors vous devez réagir très rapidement et y aller maintenant. Ouais. Vous allez trouver exactement les preuves que j'ai décrites quand vous irez là-dedans. Et s'il vous plaît, il faut noter, je ne veux pas être impliqué. Je suis un homme d'affaires honnête. À l'instant où j'ai réalisé que cet homme était mauvais, je me suis retiré. Ok? Ouais, appelez-moi quand vous aurez terminé. Ouais, bonne chance. Damien est sorti, monsieur. D'accord, tiens ceci. Là-dedans, il y a 20 000 dollars. Pour vous, les gars. Ouais. Merci, boss. Ouais, c'est le week-end et amusez-vous bien. Merci beaucoup, patron. Va voir qui est au portail. D'accord, boss. J'ai entendu dire que c'est vous qu'on appelle Draco. Oui, c'est moi, Draco. Et pourquoi envahissez-vous mon espace privé? Vous êtes en état d'arrestation pour la possession d'armes illégales et de drogues dures. Quoi? Je ne fais pas dans la drogue. Et tout le monde le sait. Et toutes mes armes ont un permis, comme vous le voyez. Nous verrons bien ça. Toi, fouillez toute la maison. D'accord. Boss, nous avons trouvé ceci. Vous voyez, vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous ferez ou direz sera retenu contre vous devant la justice. Draco. Pourquoi es-tu là, Duncan? Le boss m'a envoyé. Il veut que nous parlions. Nous n'avons rien à nous dire et vous avez mon argent. 200 millions de naira. Nous avions un marché. Je livre la marchandise, vous me payez, mais je livre la marchandise, vous ne m'avez pas donné de l'argent. Alors de quoi voulez-vous qu'on parle? Ton argent est intact. 100%. Mais il est temps que nous volons une quantité plus grande. Ça, c'est très bien. Avant que nous ne fassions à nouveau des affaires, tu vas devoir me donner mon argent. Trouve mon homme, Jack, il n'a pas été arrêté. Remets-lui l'argent et une fois qu'il le confirme, alors reviens, nous parlerons de l'autre marchandise. Tu lui fais confiance? Oui, je lui fais confiance.
Tu lui fais confiance pour qu'il te garde une telle somme? Je pense que j'ai confiance en Jack. Dans ce genre d'affaires, tu dois avoir confiance en quelqu'un à un moment ou à un autre. On ne peut pas faire les affaires tout seul. Alors trouve-le, remets-lui l'argent et une fois qu'il le confirme, reviens me voir. Sur ce, je dois partir maintenant. You may think you know it all. You think you are so smart. Just one day, in a little while you will see that you can never run away from your shadow. Only one day. Salut, Jack. C'est Draco. D'accord. Contacte Chief Pedro. Il te remettra 100 millions de Naira. Oui, confirme-le. 100 millions de Naira. Et fournis-lui quelques marchandises. Ok, bien. À bientôt. J'ai donné de l'argent à ton homme, comme tu l'as instruit. Je veux une preuve. Je vois que tu ne me fais pas confiance. Je n'ai jamais dit ça, mais j'ai besoin d'une preuve. Salut, Jack. C'est Draco. Oui. Est-ce que tu as reçu l'argent? La totalité? Bien. Il va revenir vers toi. Donne-lui quelques matos. Ok. Nous avons besoin de 25 kilos. Ce ne sera pas un problème. Contacte Jack. Une fois que tu lui donneras l'argent, il te le fournira. Duncan, je ne t'ai jamais fait confiance. Et je ne te fais toujours pas confiance. Ne joue pas avec mon argent. Si tu le fais, eh ben je t'aurai. Draco, j'ai compris. Je vais garder ton argent. Ce fut un plaisir. Gardien.
Oh, désolé mon cœur, je suis vraiment... Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que... Retirez vos sales pattes de mon enfant. Qui êtes-vous? Allez, voyons, je ne lui voulais aucun mal, j'essayais juste... Et qui vous a demandé votre aide? Je ne l'ai pas fait. S'il vous plaît, ne posez plus vos sales pattes sur mon enfant. C'est pas vrai. Seigneur, aie pitié. Vous êtes la personne la plus difficile que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et vous êtes l'homme le plus stupide que j'ai rencontré de toute ma vie. Mêlez-vous juste de vos affaires et dégagez. Surveillez votre langage. Mêlez-vous de vos affaires et dégagez. Prenez soin de vous. Qui diable est cet homme? Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Oui, maman, mais c'était pas méchant, tu sais. Samantha. Il essayait juste d'aider. Samantha! Tu sais, je pense qu'il t'apprécie bien. Ok. Maintenant, ça suffit. Bouge. Tu m'as fait peur. Je t'ai eu, maman chérie. En fait, j'ai essayé un nouveau jeu. Un nouveau jeu? Et qu'est-ce que c'est? Rien, maman. Si t'as peur de rester seule dans ta propre maison, pourquoi est-ce que tu ne voulais pas que cet homme gentil nous aide lorsque je me suis écoulée pendant l'exercice? Samantha, tu allais de sous-estimer ta mère. Cet homme ne pourra pas s'approcher de ta mère. Vraiment. Je lui donnerai la leçon de sa vie. Qu'est-ce que tu dis? Maman, c'est parce qu'il n'est pas ici que tu dis toutes ces choses. Ok, ça suffit. Sors de ma cuisine. Non! C'est un ordre, Samantha. Va-t'en! Ok, le repas sera bientôt prêt. Retourne à la salle à manger et continue avec tes dessins. Tu me le promets? Bien sûr que je te le promets. Top là. Oh mon Dieu! Tu aimes, n'est-ce pas? Oui, maman, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a, Samantha? Rien, maman, je vais bien. Tu ne peux pas me dire que tu vas bien. Tu viens d'arrêter de manger alors qu'il y a quelques minutes, tu m'as dit que tu aimais ce repas. C'est quoi le problème? C'est papa, maman, t'as refusé de me dire quoi que ce soit sur lui. Écoute, ma puce, ce n'est pas le genre de conversation qu'on tient en mangeant. Maintenant, mange. Veux-tu un peu de jus? Ah. Ok, désolé. Vas-y, mange. Jeune demoiselle. Tu n'es pas toi-même depuis que je suis arrivée. Qu'est-ce qui te dérange, dis-moi? Lucie, tu ne peux pas comprendre. Oh, vraiment? Et depuis quand? Allez, Lucie, je ne voulais pas le dire de cette façon. C'est juste que c'est juste que quoi? Écoute-moi, ma puce. Je te comprends exactement. Fais-moi confiance. Mais tu dois à tout prix te ressaisir. Que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je fasse cela?
Comment est-ce que je suis censée me ressaisir? Lucie, Samantha n'a pas arrêté de poser des questions. Je ne sais même plus quoi lui dire encore. Elle veut savoir où se trouve son père. Toi et moi savons à quel point cette fille est maligne et intelligente. Tu sais, je commence à suspecter qu'elle sait que je lui mens. Et alors? Que veux-tu dire par « et alors » Je viens de te parler de mes suspicions envers ma fille et la seule chose que tu peux dire c'est « et alors ?» Alors que veux-tu faire maintenant? Et s'il te plaît, ne me dis pas que tu veux lui dire la vérité. Parce que tu sais que lui dire la vérité détruira la joie et la relation que tu as bâtie avec elle, n'est-ce pas? Oui, Lucie, je le sais. Je le sais. En fait, bien que j'essaie d'éloigner la vérité d'elle, je ne voudrais pas également mettre son bonheur en péril. Lucie, j'en ai marre de mentir à cette fille. Est-ce que tu sais que parfois je dois profiter de son jeune âge pour la faire taire? Pendant combien de temps vais-je continuer? Pendant combien de temps vais-je continuer à le faire? Et cette fille grandit tellement vite. Parfois, elle pose des questions vraiment bizarres auxquelles je ne peux même pas répondre. Ma puce, je te comprends, ok? Mais je pense que tu ne dois rien lui dire. Au moins pour l'instant. En passant, où est-elle? C'est le week-end, je sais qu'elle n'est pas à l'école. Elle est en train de faire sa sieste, mais je suis sûre qu'elle va se réveiller d'un moment à l'autre. S'il te plaît, tu dois te ressaisir ou réfléchir sur quoi faire et la manière de t'y prendre. S'il te plaît. Je sais que tu peux le faire, d'accord? J'espère que je le pourrai. Tu peux le faire, j'en suis sûre. Thank you.
du Milan. Qu'est-ce que c'est? Tu veux du Milan? Hein? Ouais. Ok, ma puce, on va le prendre. Ah, tu veux la grosse boîte? Ouais. Donne-moi. Ah, ok. Alors, tu veux une crème également? Ouais. Tu me la crème, n'est-ce pas? Je sais, je sais, je sais. Et il y a trois saveurs ici. Il y a la banane. Tu veux voir? Je veux celle-là. Vas-y, prends-la. Ah, 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 ah! Samantha, qu'est-ce que tu manges? Jésus! Bonjour, gentil tonton. Qui avons-nous là? Bonjour, mon ange. Comment tu vas? Samantha! S'il vous plaît, ne soyez pas dur envers elle. Elle a juste reconnu un ami et a voulu dire bonjour. Non, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas mon ami, encore moins le sien. Ne touchez plus ma fille, plus jamais. Désolé, j'y vais. Samantha, qu'est-ce que je t'ai dit? Ne parle plus aux étrangers et c'est un homme. Je vis bien, s'il vous plaît, dites-moi. Combien ça coûte tout ceci? Madame, vous allez bien? Pouvez-vous juste calculer combien ça fait pour que je puisse m'en aller? En quoi ça vous regarde si je vais bien ou pas? Désolée. L'as-tu déjà rencontré? Alors pourquoi est-ce que tu l'as salué? La dame qui est sortie tout à l'heure, est-ce que vous savez pourquoi elle était si énervée? J'aurais aimé savoir. J'aurais vraiment, vraiment aimé savoir. Votre facture s'élève à 37 000. D'accord. Est-ce que vous aviez un sac pour mettre tout ça? Oui, nous en avons. S'il te plaît, le chariot. Il y a dans la malle. Hé, viens là. Samantha, qu'est-ce que c'était ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, maman. Que veux-tu dire par rien? Est-ce que je viens t'entendre dire rien? Alors c'était quoi cette scène que tu as faite au supermarché? Je suis en train de te parler, réponds-moi. Je suis désolée, maman, ça n'arrivera plus. Eh bien, ça ferait mieux de ne plus arriver. Parce que la prochaine fois que cela arrivera, je te ferai quelque chose que tu n'apprécieras pas. Maintenant, va dans ta chambre. Je veux mon père. Quoi? Samantha! Samantha! Est-ce qu'elle vient de me crier dessus? Samantha n'a jamais haussé le ton sur moi. Samantha! 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 Nounous? Nounous?
Samantha, s'il te plaît, ouvre la porte de ma puce. Je suis vraiment désolée. Samantha. Samantha, s'il te plaît, je t'en supplie. J'ai dit que je suis désolée. Tu me fais du mal. S'il te plaît, ouvre la porte. Laisse-moi te parler. Samantha. Samy. Samantha, pour l'amour de Dieu, je t'en supplie. J'ai dit que je suis désolée. Je suis désolée. Là. Qui est-ce? C'est moi, ma puce. Lucie? Oui, c'est Lucie. Ma puce, comment tu vas? Salut, Lucie, comment tu vas? Ça va. C'est quoi le problème? Tu n'as pas l'air bien. C'est Samantha. Doucement, ma puce. Ma chère amie, tu dois absolument te ressaisir, ok? Sois forte. Comment est-ce que tu espères que je me ressaisisse? Ma fille s'est enfermée dans sa chambre. Elle ne m'a pas parlé, elle n'a rien mangé. Et tu t'attends à ce que j'aille bien? Comment suis-je censée me calmer? Lucie, j'ai peur. J'ai peur qu'elle se fasse du mal là-dedans. Mais pourquoi ferait-elle une chose pareille? Je connais très bien Samantha, ça ne lui ressemble pas. Nous avons eu une petite dispute hier. Je lui ai crié dessus. Et elle m'a crié dessus et est allée dans sa chambre. Pour la première fois, ma fille m'a hurlé dessus. Elle m'a même dit qu'elle veut voir son père. Oh, ça. Écoute, ça va aller, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Je veux juste... Je suis perdue, Lucie. Allez, je veux juste pleurer. Ma puce. Maman, je suis désolée de t'avoir fait pleurer. Je suis désolée de t'avoir crié dessus hier. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Ok? Je ne vais plus jamais lever la voix sur toi, d'accord? Je suis vraiment désolée. Ok. Ça suffit avec cet amour, mère fille. C'est bon, ok? Avant que je ne cache mon maquillage avec des larmes, je partais en fait voir une amie et j'ai décidé de venir vous faire un coco. C'est vraiment gentil de ta part, merci beaucoup. Oh, ce n'est rien du tout. Je dois partir maintenant. D'accord. Prends soin de toi et de mon ange, d'accord? Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Samantha, okay. Mon cœur, prends soin de toi, ok? Sois une bonne fille et surtout ne fais plus pleurer maman. D'accord, d'accord. Prends soin de toi. À plus tard, je vais t'appeler plus tard. D'accord, bye. Non, viens là. Je sais que tu dois avoir très faim. Tu n'as rien mangé depuis longtemps.
Alors, j'ai fait quelque chose de délicieux et je voudrais que tu manges. Alors, voyons qui sera la première à la cuisine. D'accord, maman. Qui sera d'abord à la cuisine, toi ou moi? Toi ou moi? Allons-y. Je commence à expliquer ça à Samantha. Après lui avoir caché la vérité sur son père pendant 8 bonnes années. Pendant combien de temps encore vais-je lui cacher la vérité? Honnêtement, la pression devient énorme. Elle m'a crié dessus aujourd'hui pour la première fois de sa vie. Qui sait ce qui arrivera la prochaine fois? Non. Lui dire la vérité conduira à un trouble émotionnel. Je dois réfléchir à quoi faire. Bonjour. Salut, c'est à vous que je m'adresse. Salut, bonjour. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce qu'une aussi belle femme comme vous fait ici de beau sous ce soleil, ardent, toute seule? En fait, je partais rendre visite à une amie et...
Malheureusement, ma voiture est tombée en panne. Mon mécanicien vient de la récupérer. Vraiment désolé. Ça vous dérangerait que je vous conduise? Oh, ce serait gentil. Ok, alors où est-ce que vous allez? Pas très loin d'ici, je crois que c'est à 5 minutes. D'accord, cool. Allez, montez. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Je vais m'arrêter juste là. Oh, d'accord. Ouais. Est-ce que ça vous irait ici? Ouais. Ok. Merci. Oh, il n'y a pas de quoi. En fait, oui. Ça vous dérangerait qu'on reste en contact? Non. Pas de souci. Voici ma carte. Appelez-moi quand vous voulez. Sans aucun doute. Je vais vous appeler. D'accord, à plus. D'accord, à plus. Ok. Première étape réussie. Elle croyait vraiment être trop maligne. You may think you know it all. You think you are so smart. Just one day, in a little while you will see that you can never run away from your shadow. Only one day. Bonjour, monsieur. Est-ce que ma sœur est là? Qui es-tu? Et qui est ta sœur? Va-t'en d'ici, s'il te plaît. Vous allez fouiller partout, chercher qui duper. Hein? Viens-y de dégager. Voyons, s'il te plaît, ouvre ce portail, je dois entrer. Je suis fatigué, je dois me reposer, s'il te plaît. Je vous en supplie, que ma patronne ne vienne pas vous trouver ici. Va-t'en d'ici. C'est quoi cette bêtise? Ouvre ce portail. Allez, ferme ta bouche. Je parle, tu me réponds. Hein? Viens. Viens entrer, que je vois. Pouvez-vous imaginer? Mon père, ouvre ce portail. Grande sœur. Que fais-tu dehors? Je vois que tu as engagé un nouveau gardien. Il a refusé de me laisser entrer. Est-ce que tu lui as dit que tu es mon frère? Bien sûr, je lui ai dit. Et il a refusé? Qu'est-ce qui... You may think you know it all. You think you are so smart. Just one day. Toi, tu restes là-bas, n'approche pas. Mais calme-toi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu suis ma patronne? Silas! Oui, madame. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Reste là-bas. Bats-tu arrêté? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Regardez, regardez ce gars. Il fait pas. Ouvre ce portail! Pourquoi est-ce que tu fermes mon frère à l'extérieur? Madame, je ne savais pas que c'était votre frère. Je pensais que c'était ces arnaqueurs qui dérangent les gens. Après qu'ils se soient présentés à toi. C'est comme ça qu'ils font, madame. Ouvre le portail. Je
Sors-le. Oui. Entre, Santo. Mon sac. Désolé, monsieur. Écoute-moi bien. Que cela ne se reproduise plus jamais. Ça ne va plus jamais. Est-ce que tu m'as entendu? À moi, est-ce que tu veux y perdre ton travail? Madame, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je pensais que c'était César Narker. Je ne savais pas que c'était votre... Grandson, ne t'en fais pas. Il fait juste son travail. Quel travail, celui-ci? Qui dort à toute heure de la journée? Dès qu'il finit de manger ma nourriture à la cuisine, il commence à dormir. Maintenant, tu sais travailler, détective. Dégage de ma vue. Tu vas bien, Samantha? Ce que je veux en ce moment, c'est de rester seule. Allez, Samantha, nous t'avons cherché partout. Et quand as-tu commencé à rester toute seule dans ton coin? Je viens de vous dire que je veux rester toute seule. Samantha, s'il te plaît, attends. Laissez tranquille, je vous ai dit que je voulais rester seule, s'il vous plaît. Samantha, pourquoi ce changement d'attitude? Tu peux nous parler, nous sommes tes amis. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle ne se comporte pas souvent comme ça. Il doit sûrement avoir une raison pour qu'elle agisse de la sorte. Peu importe le problème que c'est, nous allons sans doute le découvrir. Je propose qu'on la laisse seule pour le moment. Elle va sans doute se calmer. Tu le crois? Je le sais. Qu'est-ce que vous faites dehors? Allez toutes dedans! C'est-tu... Ma puce, tu dois voir ce mec. Je veux dire, il est mignon. Vraiment beau. Toi aussi. Et je suis sûre qu'il est plein aux as. Lucie, les hommes et toi, c'est quoi ton problème? Oublie ça, ok? Ma puce, je suis une femme. J'ai besoin d'un mec cool et friqué pour s'occuper de moi. Lucie, je croyais que mon expérience te donnerait une leçon. Je croyais que tu allais tirer quelque chose de ça. Lucie, cette mauvaise expérience m'a poussée à devenir une femme accomplie. Après la mort subite de mes parents... Mon frère et moi, nous nous sommes occupés de nous tout seuls. Cette expérience m'a poussée à devenir une femme travailleuse et objective. Regarde-moi aujourd'hui. Regarde tout ce que j'ai accompli. C'est juste que j'ai... C'est juste que quoi? C'est juste que... C'est juste que quoi? Lucie, tu sais tout. Samantha a été une énorme source de joie et d'espoir pour moi. Après cet avortement qui a détruit mon utérus, Lucie, c'était la pire erreur de ma vie. Ma puce, pas encore. Tu ne peux pas continuer à penser à cette histoire encore et encore. Tu te blesses toi-même. Lucie, tu ne comprends pas.
Samantha est un constant rappel de mon passé. Je veux dire, ça me fait que... Ça me fait que me rappeler tout ça. Tu dois être forte. Tu dois être forte pour Samantha. Tu dois t'en sortir. Je sais que tu es assez forte pour ça. Je sais. D'accord. Allez, arrête de faire ça. Tu te fais mal et tu me brises le cœur. Ok. De toutes les façons, assez parlé de moi alors. Mm-hmm. Dis-moi, notre nouveau poisson, comment il s'appelle? Par où je commence? Mm. Il a dit qu'il s'appelle Charles. Un autre Charles? Oh non, pas ce genre de Charles, ok? Ce Charles est différent de cet idiot qui t'a mis dans cette situation, j'en suis sûre. Lucie, tu dois vraiment faire attention. Tu dois faire attention. D'accord, maman. Je ne suis pas... En fait, Santo, je ne suis pas en train de blaguer, oh. Santo, Chuku. Oui, grande sœur. Tu penses que je blague? Tu ne m'as pas dit que ton frère était là. Oh, il a dit que son semestre était déjà terminé, alors il a décidé de venir ici. Oh, en fait, tu as besoin de lui de toute façon. Bonjour. Bonjour, Samantha. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Je vais bien, et l'école? Dieu merci, nous sommes en vacances maintenant. Oui, je sais, ta sœur me l'a dit. Okay. Ok, s'il vous plaît, ça suffit. J'aimerais savoir. Ok, ça suffit avec les questions, s'il vous plaît. Ma fille est plus importante pour le moment. Je veux que tu te dépêches à son école et que tu ailles la chercher. Je suis trop fatiguée pour conduire. J'espère que tu te souviens encore du chemin de son école. Bien sûr que oui. Ok, tu dois y aller immédiatement. Je ne veux pas qu'elle reste là-bas toute seule. Je vais donc me changer. Ah, est-ce que tu vas à une fête? Tu vas juste chercher ma fille et tu veux te changer. Te changer en mais quoi? Mais Red, laisse-moi porter quelque chose de cool, s'il te plaît. Laisse-le se changer. Ah, mais le temps, ce n'est pas loin. Ok, dépêche-toi juste, s'il te d'accord, plaît. D'accord, pas de soucis. Quoi? Mais calme-toi. Pourquoi devrais-je me calmer? C'est de ma fille qu'on parle là. Tu veux qu'elle reste seule? Il ira. Madame Charles. Oui. Toi, tu dis-le adores encore, les hommes. Dis-le encore. Regardez.
Nous sommes là. Oh, qui avons-nous ici? Mon cœur! Mon cœur! Oh, mon gros nounours, comment tu vas? Yeah. Alors, comment était l'école aujourd'hui? C'était bien, mais maman, tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi. Tu m'as beaucoup manqué. Ok, mais tu sais quoi? Nous allons monter maintenant. Tu vas prendre une douche et nous allons revenir à la salle à manger car je t'ai fait quelque chose de très délicieux. Quelque chose que tu vas aimer, ok? Ok, allons-y. Grande sœur, as-tu constaté un problème avec la voiture? Oui, bien sûr. La voiture a failli tomber un panneau aujourd'hui quand je rentrais. J'ai dû demander de l'aide de mon ami pour pouvoir rentrer. Es-tu sortie avec la voiture? Ouais, je l'ai fait. Santo, je croyais t'avoir dit de ne pas sortir avec cette voiture. Grande sœur, tu sais que j'aime cette voiture, j'aime cette voiture. Tu aimes cette voiture? Tu as de la chance qu'elle n'était pas lâchée en route. De toutes les façons, je l'amènerai chez le mécanicien demain. Eh bien, je l'ai découvert, mais je devais me débrouiller. Ma puce, allez, allons-y. Montons à l'étage. Oh, mon téléphone. J'y serai la première. Non. Grande sœur, j'ai faim, mou. Ah, ah. Je suis aussi affamé. Tu as faim. Tu es affamé. Mange toute la maison. Je suis juste derrière toi, ma puce. Si, quoi de neuf? Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, ça va. Ouais, je me demandais à quoi ressemble ton programme de demain. Je me disais qu'on pouvait y sortir, aller, nager, manger et aussi passer un très bon moment ensemble. Oh, cool, ouais, bien sûr. Ouais, disons, vers 17h, je sais pas, je pense que je serai libre. D'accord, super. Je vais t'envoyer par texto le lieu exact. À plus. Je suis vraiment désolé. Alors, combien est-ce que ça fait? Ah, 15 000, monsieur. Ok, d'accord. Je vais vous donner ma carte, j'espère que ça ira. Bien sûr. C'est quelque chose d'assez incroyable. Regarde-les. Est-ce que t'es curieux? Quoi? Mais ils s'amusent. Tu penses qu'ils s'amusent? Oui. Non. Allez, c'est pour ça que tu ne veux pas qu'on nage. Selon moi, à mon humble avis, cette nuit n'est pas une nuit
faites pour nager. C'est juste une nuit pour les cougars et leurs victimes pour nager. Puisque vraiment? Je te dis, ouais. Tu ris alors que je suis sérieux, regarde bien ce qu'ils font. Il est sévère, je t'assure. Ce gars a dû dépenser pratiquement toute sa pension pour essayer de satisfaire cette fille. Parce que c'est évident. Voilà juste une cougar et sa victime, je à ton avis. Je pense que c'est son frère. Frère? Oui. Et elle twerk comme ça sur lui. Mais n'est-il pas un peu trop jeune pour... Calme-toi. Je ne connais aucune fille qui pourrait twerker comme ça sur son frère. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis en train de parler? Nous sommes ici pour nous amuser. Ok. Hein? Je passe un super moment. Moi, j'en ai terminé ici. C'est bon, essaie de me comprendre. J'aimerais bien qu'on monte et qu'on essaie vraiment de s'amuser. C'est quoi ta définition de vraiment s'amuser? Allez, laisse-moi juste te surprendre. Laisse-moi te dire, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Est-ce que t'as déjà entendu parler de l'homme qui est mort en faisant l'amour? C'est ça qui va se passer. Je peux profiter de chaque partie de ce corps. Chut. Attends, s'il te plaît. Attends. Allez, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce qu'il y a? La fois où nous nous sommes rencontrés, je t'ai parlé du problème de ma voiture, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr, tu m'as parlé de ta voiture. Qu'est-ce que cela peut-il bien avoir avec ce moment aussi excitant? J'étais sur le point de t'amener au 7e ciel, et tu viens de tout gâcher. Tu dis pas ça, Charles. Je dois vraiment changer ma voiture, mais je ne suis pas financièrement stable pour le faire maintenant. Et ça me dérange beaucoup, tu sais. Je comprends. En d'autres termes, en français, très simple, tu veux que Charles change ta voiture. Je te connais très bien, Charles. Je ne dirai pas le contraire. Tu n'as absolument aucune idée. Mais une fois que tu auras accès à mon corps, tu ne voudras plus respecter ta parole. Là, tu ne connais pas Charles. Écoute, avoir accès à ton corps change absolument rien. D'accord? Je ne suis pas ce genre d'homme qui fait une promesse et ne la respecte pas. D'accord. De combien est-ce que nous sommes en train de parler, là? Disons 5 millions. C'est vraiment incroyable. 5 millions. 5 millions ne peut même pas t'acheter une nouvelle voiture. Au moins, tu pourrais acheter une toute petite voiture d'occasion là-bas à Cotonou et... Tu sais quoi? Je vais faire quelque chose pour toi. Hein? Comme ça, tu vas croire. Je vais te donner un peu d'argent maintenant. Et comme ça, dès demain, je vais faire un transfert dans ton compte. Hein? En taux, je vais te donner 7 millions. Ce n'est pas vrai. Hey, calme-toi. Avec 5 millions, tu pourras choisir la voiture de ton choix. Et avec les 2 autres millions, tu pourras changer ta garde-robe. Je veux que tu sois sexy la prochaine fois que tu viendras ici. Chérie, t'es tellement chaud. Viens là. Maintenant, est-ce que tu me crois? Oui. T'es prête pour qu'on le fasse? Oui. Maintenant, t'es contente? Oui. Hey, calme-toi, du calme. Je t'ai dit que j'allais te donner quelque chose. Oui. Du calme. J'ai hâte. Tu en as hâte? Oui. Alors, est-ce que t'aimes ça? Oui. Est-ce que t'aimes ça? Ouais. Ceci sera ta récompense. Viens là. J'ai tellement hâte. Maintenant, occupe-toi un peu de moi, d'accord? Maintenant, occupe-toi un peu de Et moi, toi? D'accord? Ceci n'est absolument rien. Tu peux en avoir plus. Okay. Du calme. Maintenant, prends ça. Oh, c'est
Seigneur. Charles, tu es maintenant, j'espère que tu vas enfin t'occuper de moi. Maintenant, ramène ce joli cul ici. Oui. Allez, viens là. Tu aimes? Tu aimes? Est-ce que tu aimes ça? Allez, descends. Allez, vas-y, descends. Oh. Honnêtement, je n'ai pas compris de quoi le professeur de mathématiques parlait en classe. Les explications m'ont embrouillée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je croyais t'avoir entendu dire en classe que t'avais tout compris, pas vrai? Pourquoi est-ce que tu ris, Déborah? Qu'est-ce qui est drôle? Désolée, mais c'est vraiment drôle. Elle a fait comme si elle comprenait ce que le professeur de maths disait, et la voici en train de se plaindre. Je devais juste faire semblant parce que je ne voulais pas qu'on se moque de moi en classe. Voilà le problème quand tu ne comprends pas ce que le professeur est en train de faire. L'idéal serait de poser les questions et c'est son devoir en tant que professeur de te faire comprendre. C'est vrai que le sujet avait l'air embrouillant, mais je pense que la formule qu'il a donnée dit tout. Bien, mon père, en fait, mon père, lui, il m'aide quand je rentre, donc je ne m'inquiète pas. Moi aussi. Mon père m'aide parfois quand il est moins occupé, pas comme ma mère qui est occupée tout le temps. Elle est plus concernée par son travail. Samantha, et toi ton père, est-ce qu'il t'aide à la maison? Samantha, elle a quel problème? J'ai juste posé une question. Laisse-la juste tranquille, allons-y. Levez-vous de là! Levez-vous! J'ai dit levez-vous de là! Que quelqu'un me pousse. Pousse-moi maintenant. Pousse-moi. J'ai dit pousse-moi. Pousse-moi fort. Plus vite. Plus vite. Samantha, pourquoi pleures-tu? Je n'ai pas dit quelque chose de mal. J'ai juste demandé si ton père t'aide aussi avec tes devoirs à la maison. Allez, Samantha, s'il te plaît, arrête de pleurer, ok? Retire tes sales pattes sur moi. Samantha! Laissons-la juste tranquille pour le moment. Pourquoi est-ce qu'elle a cette étrange attitude? J'ai juste posé une question. Je sais, ne t'en fais pas, elle va se calmer. Je pense qu'il y a quelque chose de louche quelque part. Quelque chose comme quoi? Je ne sais pas. Voilà ce que nous devons découvrir pour le moment. Mais laissons-la d'abord tranquille. Ok, si tu le dis. Désolée pour la façon dont je me suis comportée, c'est juste que j'étais en colère et je n'ai pas pu contrôler mes émotions. Ça va, Samantha, je comprends. Non, tu ne comprends rien du tout. Alors fais-nous comprendre, Samantha. Allez, nous sommes amis. Nous sommes censés comprendre la douleur de chacune et trouver des solutions concrètes à nos problèmes ensemble. Te dérange pas, Déborah. Comme je l'ai dit, ce n'est rien, je vais bien maintenant, ok? Samantha, tu pourras toujours nous parler quand tu en auras envie, d'accord? Ce n'est rien du tout, d'accord? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais bien. Alors, on joue les filles? On y va?
Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. Est-ce que ta patronne est là? Ma patronne n'est pas là. Mais son petit frère est juste derrière. Ah, c'est bon. Est-ce que tu pourrais me rendre une petite faveur? Aide-moi à lui donner ceci. Allez, voyons. Ce n'est pas une bombe, c'est un cadeau. Monsieur, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je dirais que qui l'a apporté, juste au cas où elle me le demande. Ne t'inquiète pas pour ça, dis-lui juste que c'est un ami qui a apporté ça. Okay. Viens. Je vais te donner un petit quelque chose. Eh oui, pour toi. Ah. Bien sûr, monsieur. Allez, voyons, ce n'est rien. Tout ceci pour moi. Ouais. Ah. Monsieur, vous savez quoi? Peu importe quand vous voudrez, appelez-moi tout de suite. Je suis chargé de la sécurité dans cette maison. Venez quand vous voulez. Tu es une personne vraiment très amusante. Je vais t'appeler. Je pense que tu vas souvent me faire ce genre de blague. Je ne pense pas que je le pourrais. You may think you know it all. You think you are so smart. Just one day. Just one day, in a little while you will see that you can never run away from your shadow. Only one day, one day. Monsieur, un homme a apporté ceci pour la patronne. Mais il est déjà parti. Ok, ok, une fleur. Alors comment s'appelait-il? Il a dit que je dise à la patronne que son ami est passé. Tu ne connais pas son nom? Et tu as pris un cadeau de quelqu'un que tu ne connais pas? Il m'a juste dit qu'il est le copain de la patronne, que la patronne saura. Copain? Je ne pense pas que ce soit juste son copain. Vous voyez, comme c'est un homme qui a apporté des fleurs à une femme, j'ai conclu que c'est le mari de ma patronne. Silas, c'est bon. Je vais lui dire. Ok. Bienvenue, madame. Silas, qu'est-ce qu'il y a? Madame, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que je t'ai dit que je suis en colère? Qu'est-ce qu'il y a? Madame. Est-ce que tu peux parler, Silas? Votre copain a apporté... Hein? Un homme vous a apporté un cadeau. Il a dit qu'il est votre ami. Et il est venu avec un truc pour vous.
Attends une minute. T'ai-je entendu dire copain? Madame, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti de ma bouche. Tu n'es qu'un con. On aurait dû te sacrifier au lieu de te mettre au monde. Madame. On aurait dû te sacrifier au lieu de te laisser dans ce monde. Attends, moi, me sacrifier? Mais pourquoi? Hey. Mais Silas, ta bouche va te conduire dans les ennuis un jour, hein? Est-ce que tu es obligé de parler? Un homme qui a apporté un cadeau. Mais c'est son copain. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bien sûr qu'elle le connaît. Cette bouche va me tuer. Elle le connaît. J'en suis sûr. Ah, grande sœur. Bienvenue. Merci, s'il te plaît. De quoi est-ce que cet idiot parlait? Il a dit que quelqu'un m'a apporté un cadeau? Ouais. C'est quoi cette expression? Je pense que quelqu'un a un rendez-vous. De quoi, diable, parles-tu? Est-ce que tu vas bien? Grande sœur, je vais bien. Je me porte bien. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une lettre d'amour et des fleurs pour toi en haut. Quoi? Ben oui. Carte? Qui m'apporte une carte et des cadeaux? Je ne pense pas attendre quelque chose de qui que ce soit. Grande sœur, je ne pense pas que ce soit nécessaire de poser des questions. Je ne sais rien. Eh bien, grande sœur, je ne sais pas. De toute façon, félicitations. Es-tu normal? Pour quelle raison exactement tu me félicites? Bien sûr que je vais bien, je me porte bien. Vu que tu ne connais pas la source de ces fleurs, ou devrais-je dire les cadeaux? Je pense qu'il y a un admirateur secret quelque part qui craque pour ma sublime et magnifique sœur. Tu ne t'es pas dit que je ne suis pas intéressée par les relations amoureuses, n'est-ce pas? Santo, tu dois te faire soigner rapidement. Mon frère, tout ce qui m'intéresse présentement, c'est ma fille. Comment bien m'occuper d'elle? Voilà ce qui m'intéresse. Je sais. En passant, qu'est-ce que tu as cuisiné? J'ai fait des nouilles. Jésus, est-ce la seule chose que tu sais cuisiner pour la nourriture? Mais c'est la nourriture! Ce n'est pas la nourriture! Arrête d'être si paresseux! J'ai pitié de ta future femme. Tu es très paresseux. Elle va me supporter! Oui, c'est ça. C'est pas possible. You think you are so smart, just one day, just one day. In a little while you will see that you can never run away from your child. Vous avez encore apporté des fleurs à ma patronne? Entrez, ma patronne est là. Non, ce ne sera pas du tout nécessaire. Mais tu peux lui donner ça. Je suis en fait... vraiment très pressé, il faut que j'y aille. Mais elle est juste à l'intérieur. Pas maintenant. Une autre fois. Vous partez déjà? Ouais. Be careful in life. Nothing is hidden under the sun. Alors, tu essayes de me dire que quelqu'un t'achète des cadeaux juste comme ça? Je veux dire, un homme inconnu t'achète des cadeaux juste comme ça? Attends une minute, tu penses que je blaguais? Bien sûr que je ne sais pas du tout qui cette personne est. Je ne l'ai jamais vue.
S'il passe par là, je ne saurais pas que c'est lui. Ma puce, je ne le connais pas. Écoute, je pense que tu as un admirateur secret quelque part. Eh bien, c'est ce que mon frère a dit, mais fais-moi confiance. Tu sais que je ne suis pas intéressée par ça, n'est-ce pas? La seule chose qui compte pour moi maintenant, c'est ma fille. Oh. Mon Dieu. Madame, bonjour. Oh, Silas, qu'est-ce qu'il bonjour. Y a? Bonjour. Merci. Madame, c'est cet homme. Il vous a apporté ceci. Cet homme? Oui. Alors, où est-il? Madame, il est reparti. Allez, Lucie, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas du tout drôle. Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Commencez à pleurer. Madame, vous fâchez pas. Que Dieu te punisse. Tais-toi. Ferme ta bouche. C'est là ce que diable ne va pas avec toi. Une personne étrangère entre dans ma cour et te donne un paquet. Tu ne le questionnes pas rien et tu prends le paquet. Et s'il y avait une bombe, dis-donc? Vas-y, ouvre le paquet. Ah, non, madame. Hein? C'est votre il paquet. Il a dit non. Silas, c'est un ordre. Ouvre le paquet. Madame, comme vous avez parlé de bombe, je ne veux pas... Que cette bombe explose là. C'est un ordre. Ouvre ce paquet, Silas. Madame. Silas. Écoute, tu sais que je te respecte beaucoup en tant qu'adulte. Je ne veux pas me mettre en colère. Ouvre le paquet. Madame, considérez ma famille, s'il vous plaît. Tu savais que tu as une famille? Pourtant, tu as pris le paquet de cet homme. Sans demander que cette bombe explose là. Ouvre le paquet. Mais, madame. Silas, ouvre-le. Non. Silas, recule, recule. Madame, vous m'avez dit de partir. Tu es malade? Quelque chose ne va pas chez toi? Tu as regardé? Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Je croyais que vous m'aviez demandé de partir. Madame, regardez l'argent. Beaucoup d'argent. Est-ce que c'est sérieux ou quoi? Tu sais quoi? Prends cet argent et toi-même et dégage de ma maison. Pardon? Tu m'as bien entendu. Va-t'en avec le paquet. Mais madame, c'est votre argent. Pourquoi est-il comme ça? Mais Silas, va-t'en! Tu peux le croire? Tu dois vraiment te calmer, d'accord? Je sais que tu vas découvrir qui est cette personne. Tu veux toujours tout savoir. Je n'aime pas les hommes et leurs problèmes. Mabuse, il n'y a pas que l'homme. L'argent y est aussi impliqué. Mon Dieu. Tu es avec mon enfant. Samantha. Samantha.